avec leurs idées. Cela a révolutionné un peu notre manière de voir, notre manière de penser. Donc je pense qu'il faut considérer aussi les idées de nos aînés. Le monde évolue, donc nous devons évoluer avec le temps. À mon avis, l'Afrique devrait vraiment retrouver vraiment la dimension vraiment élevée et évoluer quoi. Devrait vraiment évoluer. Mais ça, je crois que ce conflit non seulement nous divise et ça met encore plus l'Afrique en retard. Nous devions toujours apprendre auprès des grandes personnes, auprès des parents. C'est ce que relève le professeur Bois dans Sankofa. Sankofa qui veut dire puiser, aller à la source et prendre les idées essentielles pour un futur meilleur. Voilà, deux tendances, à vous de choisir la vôtre. 22, 42, 54, madame, monsieur. Imaginons une société africaine sans conflit des générations. Est-ce que cette société sera productive? 22, 42, 54, vous avez le sujet devant vous et vous pouvez nous interrompre à chaque instant et donner votre opinion sur la question. Sur la toile, pas mal de réactions postées. Basiki, Maria, encore une fois, l'harmonie absolue. Basiki, on serait sans handicap et il aura de l'évolution. Or, de l'autre côté, il se trouve que la vérité naît du choc des idées. Alors, Seydina, encore vous aurez la parole. Êtes-vous sûr qu'une société sans conflit des générations est une société qui est vivante, une société qui sera vivante? Bien sûr, parce que conflit des générations, c'est comme on met en conflit l'histoire et le présent. C'est comme ça que je vois la chose. Or, l'histoire et le présent, c'est-à-dire que c'est l'addition des deux qui donne un bon futur. Mm-hmm. Donc moi, je pense que sans conflit... Surtout quand l'histoire tient compte du présent. Justement, on prépare notre présent même en s'adosant sur l'histoire. Mm-hmm. Maintenant, si on combine les deux, histoire et présent, on peut préparer bien le futur. Mm-hmm. Alors, puisqu'on parle de développement, c'est ça. Parce que les autres ont peut-être... Ce que les autres vivent aujourd'hui, ils ont préparé peut-être depuis 100 ans ou 50 ans. Mm-hmm. Ce qu'ils vont vivre demain, ils sont en train de les préparer depuis aujourd'hui. Alors donc, s'il y a conflit déjà, il y a problème. Avis contradictoire ici, monsieur Desondi. Il faut que les nouvelles générations dépassent les précédentes. C'est ça la logique. Mais les anciennes ne veulent pas l'être. Non. Moi, je ne pense pas que les anciens... Parce que moi, j'ai donné un exemple très simple. Mm-hmm. Aujourd'hui, moi, je suis peut-être promoteur culturel. Mm-hmm. Si demain, mon enfant devient un grand, c'est-à-dire un empereur de la culture, mais je serai fier. Mais si demain mon enfant devient peut-être un simple, peut-être il n'arrive même pas à ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'il n'arrive même pas à faire les 30% de ce que j'ai fait, mais je ne peux pas être fier de ça. Donc c'est tout à fait normal que ton fils, c'est-à-dire que la génération qui vient soit supérieure à l'ancienne génération. Ça c'est tout à fait normal. Mais Seydina, tu es dans l'idéal. C'est ce qui devait être. Mais ce qu'on constate, les faits sont que nous constatons que de nombreux jeunes crient à corps et à cri tous les jours. Ils ont 45 ans, on ne leur donne pas encore de poste. Ils disent, mais on va atteindre quel âge pour avoir des postes? On entend ça tous les jours dans tous les pays africains. Mais c'est pour ça qu'ils veulent bousculer ceux qui sont là pour prendre la place. C'est pour ça qu'on doit décomplexer les Africains d'aujourd'hui pour qu'on puisse... Vous voyez, quand on parle de nos valeurs, tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est par rapport à nos valeurs. Nos valeurs, les vieux sont fiers. Le fait, c'est que tu restes dans l'idéal, la théorie. Non. Mais les faits sont là. Revenons, c'est-à-dire que faisons un peu d'effort, travaillons, revenons à nos valeurs réelles. Quand on va revenir à nos valeurs réelles, vous allez voir qu'à partir de 19 ans, les jeunes seront responsabilisés. Ils ne sont pas. Mais donc, ceux qui ne nous donnent pas l'âge, c'est ça. C'est ce qu'on parle aujourd'hui. Donc, il y a conflit. D'accord. Bon. C'est de savoir si une société sans conflit serait une société vivante. Ou encore, est-ce qu'on peut imaginer une société africaine sans conflit des générations, les services, etc., etc. Est-ce que ça va donner quelque chose d'attrayant? Non. Pas maintenant. D'accord. On travaille pour ça. Je pense que... Tout à l'heure, on ira au téléphone, Diop avant. Si tout le monde se souvient du conte de Binda... Le doyen Binda Gazolo, où il parlait de la course des relais entre les continents, et l'Afrique est arrivée en retard juste parce qu'il y a eu des conflits entre des générations dans le relais. Je pense que si on a un continent sans conflit de générations, tout le monde aura la sagesse de préparer une génération future. C'est-à-dire, j'aurai le courage de dire, le travail que je fais aujourd'hui, c'est pour les plus jeunes. Et que quand le moment de partir arrive, j'irai avec beaucoup de sagesse pour céder la place. C'est comme il n'y a pas de conflit de génération entre nous et nos enfants. Parce que nous, on travaille, on dit, on le fait pour nos enfants. Et le moment où l'âge de gérer le bien familial, on aurait quand même le courage de se retirer.
Vous voyez, c'est ça, c'est ça, là-bas, c'est y a ça pas l'idée. De problème. C'est donc, ça. On parle de secteur d'activité hein, dans oui. un contexte vraiment concurrentiel. C'est ça aussi. Même dans... En famille, ça peut marcher sans problème. On passe le relais sans souci. Mais dans un secteur d'activité, dans une Mohamed, entreprise, même le même poste, avec deux formations différentes, deux classes d'âge différentes qui ont différentes manières d'aborder la même activité. C'est pourquoi je dis qu'il faut beaucoup de sagesse parce qu'un jeune, tout le monde connaît ses limites. En réalité, il ne faut pas qu'on se leurre. Dans n'importe quel domaine d'activité, arrivé à un certain moment, tu connais tes limites. S'il y a un jeune qui est plus efficace que toi, je pense que l'ancien doit quand même tirer un peu de ce que le jeune fait ou accepter que ce jeune qui a plus de compétences que lui prenne la place qu'il mérite. Ok, à tout à l'heure. Téléphone, monsieur Rassoul est en ligne, 22 42 54. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous, si on garde le contact. Alors, on va commencer par le commencement avec vous. Hier, on a parlé de la source des conflits des générations. D'où partent généralement les conflits des générations? Oui, mais justement, le conflit, en principe, pour moi, il ne doit pas avoir de conflit. Il ne doit pas en avoir. Mais comme ça existe, vous voyez au moins là où ça commence. Oui, mais en principe, pour moi, il ne doit pas avoir... Il ne doit pas avoir de conflit de génération. Mm-hmm. Parce que nous, à notre temps, mm-hmm. on n'avait pas le droit d'élever le ton avec celui qui est plus âgé que nous. Mm-hmm. Mais vous direz certainement que ce moment est passé. Bon, celui qui arrive, effectivement, il est bien préparé, il a ses diplômes, tout et tout. Mm-hmm. Mais quand il arrive, il se fait entourer de ses vieux. Mm-hmm. Et il les associe, par exemple, à sa prise de décision. Surtout, il fait le stage avec lui. Mm-hmm. Bon, c'est lié à l'avance, peut-être se dire que ah, ce monsieur, il est venu, bon, quand il prend une décision, il nous a respecté, il nous a associé. Bon, le passage de témoin se fait en douceur. Mm-hmm. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand celui qui arrive, et c'est ça que la patronne dit, ah, c'est moi qui suis le patron, je viens de l'université, je fais le diplôme, je fais ceci. J'essaierai de nommer bientôt. Il y a une différence, il y a un très grand fossé entre la théorie et la pratique. Mm-hmm. Bon, le Dieu qui est là, c'est vrai, il n'est peut-être pas allé très loin dans ses études, mais pour lui, il a une expérience. D'accord. Et l'expérience raconte beaucoup. D'accord. Alors, avec vous, on va imaginer une société africaine sans conflit des générations. Est-ce que ça va être une bonne société qui pourra répondre aux attentes des populations? Oui, mais c'est ce que je vous dis, M. Gouabé. Je dis bien, en principe, il ne doit pas en avoir. Donc, en principe. D'accord. Merci beaucoup. L'éducation que nous avons reçue, en principe même d'Africain, notre éducation... Le jeune, en principe, ne met chaque fois derrière le pied. D'accord. Il m'écoute. D'accord. Voilà. Merci, bien noté. C'est bien, voilà. Bien noté. Bonne journée, excellente journée. 22 42 54, vous pouvez intervenir et imaginer avec nous une société africaine sans conflit des générations. Fatou sur la toile. Monsieur Félicio Zanré a toute une autre conception de l'affaire. Il dit ceci et il va rejoindre Aristide Nkenda. Sans conflit des générations, nous serons dans un monde sans idées ni développement. Et c'est dans des conflits des générations que les plus grands et les grands artistes ivoiriens ont réussi à se rehausser. Là, il est dans le domaine artistique. Mais il trouve que sans conflit, nous serons dans un monde sans idées. Parce qu'il y a conflit des générations et puis il y a choc d'idées. Mmh. Ou bien il y a opposition d'idées, un truc comme ça. Conflit des générations, je pense que c'est peut-être... telle génération qui refuse de céder la place à telle génération. Mais ça, c'est une idée. C'est une idée. Oui. Maintenant, je pense que quand on dit, quand il y a débat de contradictions... Effectivement. Ouais. C'est un discours. C'est l'idée qui se transforme en acte. Donc c'est la même chose. C'est un discours. C'est une démarche. Bon, c'est une approche. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a une petite nuance. Hein. Vous voyez, conflit des générations, tel que nous sommes en train de débattre depuis hier, c'est comme des vieux qui refusent de céder la place aux jeunes. Pas comme. On constate simplement que sur le terrain, Il y a un choc entre des générations. Des générations, dans les secteurs d'activité, dans d'autres domaines. Par exemple, sans ce choc, on n'avance pas.
Ce n'est pas forcément qu'il y ait un choc. En fait, le relais doit se faire doucement et tranquillement. Justement. Ouais. Bida Gazolo, dans son compte, il dit quoi? Qu'on est arrivé en retard parce que les gens ne voulaient pas donner le relais. Toi-même, tu l'as dit, c'est un fait. Mais c'est pourquoi on ne donne pas le relais? Pourquoi lui qui a le relais ne veut pas donner le relais? Maintenant, c'est-à-dire si c'était fait, on dit, fait, oui, mais on dit la vision d'une Afrique, choc des générations, conflit des générations ou sans conflit des générations. La vision dont je parle, et pour que l'Afrique évolue, il ne faudrait pas qu'il y ait un choc des un conflit des générations. Il faudrait que le relais se fasse tranquillement et dans le plus grand respect. Les anciens, quand ils savent que le moment est arrivé de céder la place aux jeunes, ils cèdent. En fait, l'Afrique doit évoluer comme ça. On s'appuie toujours sur le travail des autres pour pouvoir avancer. Et ceux qui sont avant vous, ils doivent comprendre qu'arrivé un moment, vous êtes un peu dépassé, donc vous devez passer le relais. C'est pourquoi c'est une question d'éducation. Si, c'est dans le dire. Oui, s'il ne passe pas le relais, comme a dit le téléspectateur qui a appelé tout à l'heure, donc comme à l'époque, dans nos sociétés africaines, on ne pouvait pas regarder les nez dans les yeux. Donc, comme il ne passe pas le relais, tu ne le regardes pas les yeux, tu t'éteins. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Nous sommes dans une société de compétition. D'accord. Il faut faire avancer la société parce que nous avons la responsabilité de léguer ce monde à nos enfants. Et monsieur Badegué dit la même chose, monsieur Dembélé. Sans conflit des générations, il n'y aura pas de stimulation pour aller vers la croissance. Mais la contestation doit être faite dans le strict respect des aînés qui doivent à leur tour comprendre que être contredit ne veut pas dire qu'on est ignoré. Voilà. Allons au Congo. On va au Congo retrouver monsieur Mohamed. Nous sommes au Congo. Mohamed, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous appelez de quelle ville du Congo? Le retour n'est pas excellent et aussi un retard, voilà, avant qu'ils ne reçoivent. J'espère qu'on va rétablir tout ça. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça alors? Je souhaiterais que... Je reprends, sans conflit des générations, il n'y aura pas de stimulation pour aller vers la croissance. Or, la croissance, vous la demandez tous les jours ici, à Seydna. Oui, c'est-à-dire que je pense que l'harmonie encore sera plus rapide que le conflit. Mm-hmm. Voilà, je pense que s'il y a une harmonie entre la nouvelle génération et l'ancienne génération, je pense qu'on peut aller encore plus vite que s'il y a conflit. Parce que s'il y a conflit, on va passer aussi le temps à chercher à trouver des solutions à certains problèmes avant d'avancer. Pourtant, s'il y a harmonie déjà, on peut aller tout de suite. Alors, Il ne devait même pas avoir un choc d'idées. En fait, c'est une continuité. Tout le monde est d'accord que dans la méthode, ça doit progresser. Bien donc, sûr. Si on est dans une Afrique où les anciens sont convaincus que au fur et à mesure les années passent, la méthodologie change, donc ils seront dans la sagesse d'accepter les nouvelles méthodes de travail et de céder la place. On a une vision. À partir du moment où on dit choc d'idées, c'est comme si ce que les anciens pensaient, c'est archi faux. Ils se sont trompés de bout en bout. C'est pourquoi le mot choc et conflit devient problème. Mais pourquoi on ne dit pas additionner les différentes tendances? Non, on te parle d'une vision. Aujourd'hui, on a des problèmes parce que il y a un grand manque de sagesse des deux côtés, que ce soit les anciens ou les jeunes. Bien on ne réussit pas à créer le relais très simple qui dit qu'on part d'une génération à une autre et que la technologie change, les données changent et que l'ancienne génération doit accepter les critiques ou bien les idées de la nouvelle génération. La vie même est conçue comme ça. C'est parce qu'on refuse qu'on est en retard. C'est parce que même si on accepte, je pense qu'on va progresser. Nous avons perdu même notre africanité parce que vous voyez le conflit dont on parle, ça veut dire qu'il y a de nouvelles technologies et autres là. Ce n'est pas moderne. À l'époque en Afrique aussi et dans l'ancien. Tu dis la technologie n'est pas moderne. Non, c'est pour te dire. Ce que je veux dire, le fait d'avoir au fur et à mesure de nouvelles méthodes de travail. Et pour toi la modernité c'est quoi? Est-ce que je peux me poser? Oui, vas-y. Le fait d'avoir au fur et à mesure des années et les années qui passent de nouvelles méthodes de travail n'est pas nouveau. Ça existait. Ça existait à l'époque. Mais comment est-ce qu'en Afrique, avant, les gens ont pu régler ce problème sans qu'il y ait des conflits? C'est qu'aujourd'hui, là, nos valeurs, il faut qu'on revienne à nos valeurs. Revenir à nos valeurs, ce n'est pas être dogmatique. C'est être irréaliste, d'ailleurs.
toi qui prône l'afro-réalisme, c'est être réaliste. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai un bagage en informatique ou en ceci. Mais qui te dit que c'est le jeune qui arrive qui va frustrer l'aîné? D'accord. Rien ne prouve que le jeune qui arrive va frustrer l'aîné. Mais le conflit naît de frustration. D'accord, très bien. De frustration. On va demander aux jeunes de faire preuve de tact, c'est ça. Hein? Justement. Voilà. Et aussi aux anciens de ne pas du tout être réfractaires aux propositions et aussi. Un ancien qui est réfractaire n'est pas sage. Voilà, très bien. Ça, c'est clair. Donc, c'est qu'il n'est pas sage. Tout conflit n'est pas forcément mauvais. La lutte sociale aussi est signe de progrès. On va aller tout droit au Mali. Retrouver M. Keïta, si je ne me trompe. Voilà, c'est très bien. Merci beaucoup, côté régie. M. Keïta, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez de quelle ville du Mali? Je suis à Bamako. Bamako, très bien. Merci d'être avec nous si on garde le contact. Votre opinion sur le sujet, votre argumentaire, est-ce que d'abord le conflit de génération est un moteur ou une gangrène selon vous? Bon, pour moi, normalement, le conflit de génération, ça doit arranger. Malheureusement, ok, les unités l'ont certainement lâché, ça doit stimuler. Ça peut aussi être un problème technique, moi-même. Non, là, j'ai complété sa phrase. Normalement, ça doit stimuler pour vous et ça doit bloquer. Non, ce que je veux dire, il faut qu'on parle des jeunes jusqu'à maintenant, mais il faut qu'on parle aussi des vieux. Parce qu'il y a un problème aussi. Il faut que les vieux puissent quand même se débarrasser d'un certain égoïsme. Parce que c'est un comportement qui n'est pas africain, ce n'est pas sage, ce n'est pas villageois, ce n'est pas traditionnel, ce n'est pas dans nos coutumes. Je pense que les vieux sont tout le temps avec fierté, les vieux montrent avec fierté, voici un enfant que j'ai formé, voilà ceci, voilà cela. Vieux pour dire aîné, pas seulement les vieux. Oui, bon, quand il y a des vieux, c'est ceux qui sont... Voilà. Donc, il faut qu'eux aussi, à leur niveau, puissent faire des efforts pour accepter que le monde bouge. Maintenant, le monde en bougeant ne doit pas bouger sans nos valeurs. Là aussi, là, je le dis, quand on bouge, il faut qu'on bouge avec nos valeurs. Ça est très important. Maintenant, les aînés dont Aristide parle, c'est-à-dire que ceux qui sont juste avant nous, nos devanciers, c'est vrai que parmi eux, ce n'est pas tous. C'est vrai qu'il y a certains parmi eux qui ont un certain complexe vis-à-vis des jeunes, qui ont un certain complexe vis-à-vis même de leurs responsabilités aussi. Parce qu'il faut reconnaître, parce qu'il y a des fois quand on a des idées, ça les choque que ces idées ne viennent pas d'eux. Il y a ce problème qui existe. Et je pense que c'est le 90% de ces problèmes qui existent. D'accord. Quand on a de nouvelles idées, ils sont choqués pourquoi ces idées ne viennent pas d'eux. D'accord. Ils veulent s'accaparer de ça et ça devient d'autres choses. Là, je suis vraiment d'accord avec toi. On va encore aller côté standard. Monsieur Touré de Danemark. Touré, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous, Touré. Vous suivez le débat, vous suivez les interventions de nos chroniqueurs et invités. Oui, oui. Alors, selon vous, on va commencer par le bout. Croyez-vous que le conflit des générations est un moteur ou une gangrène pour la productivité? Bon, disons, moi je veux dire que c'est un moteur quelque part, mais c'est quand même dans le respect et puis bon, la vision même de l'Afrique, quoi. Faut pas qu'on capte notre état soit disant que, il y a le conflit des générations, mais. Pourquoi il y a le conflit des générations? C'est par rapport à ça qu'on doit se poser des questions. Oui, effectivement, la question a été posée, je pense que vous pouvez aussi répondre à cette question-là. Ça naît à partir de quoi? Bon, moi, je pense que ça naît à partir de manque d'emploi et de formation continue. D'accord. Pour moi, par exemple, ici, on est là, on travaille. Dans l'année, on a au moins peut-être une semaine ou trois jours de formation continue par rapport à ce qu'on a fait. Ouais. Or, en Afrique, on a la tendance de voir que tout ce qui vient de l'Occident aussi et du bon, on n'arrive pas à avancer, à prendre notre culture aussi, d'avancer dans cette direction. Et comme Aristide le dit ici, il y a un manque d'anticipation, on n'arrive pas à anticiper. Il y a comme un arrêt sur image dans la formation. Alors, les jeunes qui arrivent trouvent. Oui, c'est ça en fait. Moi, c'est ça. D'accord. Bon, le souci. Je suis d'accord avec lui. Merci beaucoup. Un léger souci de retour. Hein, s'il a fini son argumentaire, ce sera tant mieux. Merci beaucoup, M. Touré. Bien des choses à ceux qui nous suivent.
avec vous au Danemark là-bas. Seyidna, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, hier, j'ai parlé de mise à niveau par rapport au diplôme. Parce que généralement, quand on est dans des entreprises, les entrepreneurs ne prennent pas souvent le temps d'amener ceux qui sont là à avoir des formations, même des formations internes pour qu'ils puissent obtenir des diplômes. Ailleurs, ça se fait. Je peux rentrer peut-être avec le nouveau CM2 dans une entreprise, mais au fur et à mesure que je travaille, que mes patrons sont convaincus maintenant que j'ai une certaine expérience, ils me font passer des examens qui peuvent me permettre d'avoir le bac ou qui peuvent me permettre d'avoir le BTS dans ce que je suis en train de faire. Et, mais c'est ça aussi qu'il faut qu'on puisse mettre en marche. Si on met ça, je pense qu'il n'y aura pas assez de problèmes aussi Voilà, il a dit manque d'emploi et aussi manque de formation. Continue. C'est très important. Ouais. On va marquer un tampon Fatou. On va aller sur la toile. Une réaction intéressante de M. Ange-Stéphane Sourou. A tout de suite, Fatou. Le tampon est là. Où est-ce qu'on va directement? D'accord, on va directement alors. M. Ange-Stéphane Sourou, les anciens ne détiennent pas la vérité absolue, d'autant plus que la vérité est un mensonge qui n'a pas encore été découvert. Il faut actualiser les traditions, mais en les améliorant. Et non en les oubliant. À notre ère, les comptes pourraient se faire en cinéma 3D avec le compteur en voix off. Ceci est un exemple. Ça veut dire qu'il faut intégrer les connaissances nouvelles à ce qui se passait avant. Aristide, vous acquiescez. Je suis tout à fait d'accord avec Sédina. C'est-à-dire que même quand vous faites la formation continue, vous êtes en compétition. Et quand ils donnent cette idée géniale, ça veut dire qu'en réalité, on intègre dans nos valeurs, dans nos cultures, comme dit Sédina, les notions modernes. Parce que justement, il faut interroger l'histoire pour en tirer l'universalité. Et l'universalité, on ne va la découvrir qu'avec la raison. C'est clair. Très bien. Merci beaucoup. Et merci surtout à tous ceux qui ont réagi à cette question du jour. Hein, ceux qui ont appelé de l'Europe, d'Afrique, Mali, RDC et M. Touré de Danemark. Et sans oublier, tous ceux qui suivent la toile sont vraiment actifs. Le débat pourra continuer chez vous et vous pourrez revoir cette émission à souhait sur notre page internet. Vous allez avoir l'indication tout de suite. Et aussi, en fin des programmes, si vous nous suivez entre midi et deux sur RTI 2. On marque une pause pour vous annoncer que tout à l'heure, il y aura l'enregistrement de cette émission Musique Actu, nouvelle formule du côté du Pink Club à Marcoury, près de l'hôtel Amanière. C'est quoi le cri de guerre pour Musique Actu? Musique Actu! RTI 2 vous invite aux prochains enregistrements de votre programme préféré musical Musique Actu, le mardi 27 mai 2014 à 14h au Pink Club de Marcoury avec la crème de la musique ivoirienne, mise en place à partir de 13h. Entrée gratuite sur présentation de carton d'invitation à retirer à la RTI Cocody et au Pink Club Marcoury. Tenue correcte exigée. Musique Actu, le meilleur de la musique. On s'apprête à y aller, juste après cela, on s'en va. Oh, Aristide, on va. Oui, mais Mohamed, j'ai reçu en ton nom beaucoup de messages. Quand ils ont vu cette émission, vraiment, tu as les félicitations et les encouragements de beaucoup de mes amis qui me connaissent. Et il y a une particulièrement, Sylvie Touré, qui m'a dit qu'il faudrait désormais que tu appelles boîte à idées. Ah, Sylvie, Sylvie, je dois la connaître. Sylvie Touré de la télévision. D'accord. Voilà. D'accord, merci beaucoup à tous. La semaine prochaine, on parlera du service public en Afrique. Voilà, le service public. Beaucoup de choses à dire sur les services publics. Vous rebillez la tête déjà. En fait, quand on parlait de formation continue, on a vu plusieurs cas où le service public avait des opportunités de formation pour même les anciens, pour se remettre à niveau, ou bien les jeunes. Mais on constate qu'à la place des jeunes ou des personnes qui ont besoin de cette formation, c'est des copines ou bien des amis qui partent, qui vont en formation. Et après, on se retrouve à l'étape zéro. Donc, c'est pour ça que c'est un choc. Voilà. Oui, non, mais c'est pourquoi on dit c'est le manque de sagesse qui fait qu'il y a conflit. Et ça fait qu'on n'a pas du tout confiance au service public. Voilà, c'est pour ça qu'il faut un service public sain. Voilà. Il faut un service public qui est bien sain dans tout. C'est-à-dire que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les entreprises de l'État, que ce soit partout, il faut que les uns et les autres se disent que j'ai été peut-être nommé ici ou bien j'ai été engagé ici, c'est pour les autres, c'est pas pour soi-même. Et qu'on mette au centre ce que Céline appelle nos valeurs. Voilà, nos valeurs. Et ça sera pour la première semaine du mois de juin. Hein. On vous donne les couleurs du mois de juin déjà sur On garde contact.
Le service public sera dans notre viseur, en tout cas, on en parlera sur le continent africain, au plan continental, pas seulement au plan national. Généralement, comment est-ce que, quelle allure présentent nos services publics sur le continent africain? En tout cas, préparez vos discours et argumentaires, préparez vos smartphones et vos ordinateurs, vous serez les bienvenus ici parce que c'est l'Afro Optimise. Faire en sorte que l'Afrique avance tout en étant fière et en ayant la tête haute. C'est Idina, merci. Merci. Merci Diop. Merci. L'afro-réalisme, attention. Oui, l'afro-réalisme. Avec la réalité, on va parce traiter que ça. Parce que les afro-optimistes, ils rêvent beaucoup. Pour qu'on soit pragmatique. Tu sais, les grandes nations ont été montées sur des grands rêves. Donc... Toi, tu m'en rappelles toujours, Matouzalem. Matouzalem. D'accord, vous retrouverez ce programme sur le site internet de la RTI, www.rti.ci. Voilà, on allait un peu plus fort encore, on en fait plus. Vous aurez l'application smartphone sur les téléphones et les tablettes. La semaine prochaine, on va vous montrer le chemin, comment avoir la RTI à partir d'une application sur smartphone et sur votre tablette. Nous, on l'a déjà, ça fonctionne. Vous avez le choix entre les émissions en direct et les émissions postées, quoi. Vous pouvez les voir et les revoir. Merci à Fatou Koulibaly, merci à V. Patricia, à Mme Dendane Khadidia, à M. Ibrahim, à M. Yao, voilà, qui a traité la fluidité sur ce plateau. Merci à tous ceux qui sont de l'autre côté avec Fatou Koulibaly. On a rendez-vous demain à 13h15 en temps universel et tout à l'heure, on s'en va à l'enregistrement de Musique Actu. Merci et à demain.